J'ai pas joué à tant de FPS que ça, je joue à plein de types de jeux différents. J'aurais joué à des FPS, hein, mais... Celui-là, c'est un trap de la Franck. Celui-là aussi. Ah, on va essayer de poser des trappes de la prank. Je vais peut-être poser un trap sur mon ruine. Je crois avoir vu quelqu'un là. Pas sûr. Yo, mon ruine de ses morts. Juste la ruine de tes morts. Ok, comme ça au moins si quelqu'un désactive le trap, je l'aurai. Je l'entendrai. Ok, il y a des gens ici. Il y a au moins quelqu'un qui est au courant de mon ruine du coup. Il est pas très loin. Soit il a décalé par là. Soit il est décalé par là. Peut-être là-dedans? Non. J'ai sûrement dû décaler un peu plus loin par là. Genre ici. Fuck. Peut-être qu'il a bougé direct, hein. C'est possible. Un générateur qui est... Lequel? Au secours, l'alerte. Ah, d'accord. Gros jeu vidéo, hein. Ici. Il y a un trap à poser juste là. Faites pas dégueulasse, je suis en train de trapper que une partie de map. Du coup, il va falloir amener les survivants à chaque fois à aller venir loop ici. Les mecs là. Ils sont plusieurs, deux. Et ils avaient déjà quasi fini de gêner les bâtards. J'y crois pas quoi. Ils sont deux là. On va taper le gêner quand même, faut pas déconner. C'est de la perte de temps, hein. De la perte de temps, j'ai perdu la visu sur les survivants. Ici, là, heureusement, ils ont laissé beaucoup de traces. On va prendre ça. Un trap qui a été désactivé. On va poser un trap ici qui est pas incroyable, très visible. Incroyable! Il y a des mecs qui sont là. Ok, elle est ici. On se prend une tartine aussi. Mais pourquoi je vois pas les générateurs qui se finissent? Putain, ma vie, c'est de la merde. Et l'autre a été remis. Ah, bah oui, du coup, mon ruine. Il y a directement là-bas. J'ai pas de trap, hein. Fuck! Putain, mais ils se foutent vraiment de ma gueule. Hein. Pire des racleurs de... Mais non, mais je voulais pas faire ça! Ma vie, c'est tellement de la merde. Oh, ça y est, je fais nimp. La palette, elle l'aura pas. On passe la fenêtre ici. Ok. Elle est partie où? Pourquoi elle a fait ça? C'était intéressant, mais à la fois dégueulasse. Il y a sa pote qui est pas loin, non? J'ai pas chié. Non, j'ai pas chié. Je vais pas poser un trap ici, sinon ils vont s'en douter. Il y a une personne qui est là. Qui était là. Générateur là-bas aussi qui est en train d'être fait. Non. Quel générateur au fond? Ça, c'est fortement probable. J'ai mon trap ici que j'ai envie de récupérer. Peut-être un trap au niveau de cette fenêtre. S'ils le prennent de l'autre côté, ils s'y attendront pas. Sur une chaise, ça peut toujours passer. Et là, bonjour. Le Spring Burst. Un trap qui a fonctionné. Il est direct. Et juste à côté. Te libère pas, s'il te plaît. C'est qui? C'est celui qui a save l'autre? Ouais, je crois. Hein. L'autre s'est fait soigner. Du coup, ils étaient plusieurs, je pense. Ça m'a trouvé qu'il saute au soin. Ce trap était bon, hein. Trap était bon de la prendre, qu'il y a deux mecs qui sont pas loin. Genre là. Putain, Spring Burst encore une nouvelle fois. On va faire semblant de pas avoir vu l'autre, puis on va décaler directement. Spring Burst aussi. Allons-y, c'est parti les amis. Elle va foncer sur la fenêtre. Ok, on aurait pu l'amener à ça, mais non. Puis à mon avis, c'est un peu de la merde. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Après, pour le moment, ils sont en train de tourner autour du mec qui est hook. Est-ce qu'on a une info? Non. Elle part là-bas, elle. Ok, ça a l'air intéressant. Ils sont plusieurs ici. Ils vont se body block. Elle a des dards là-dessus? Je crois qu'elle m'a des dards dessus, c'est pour ça que j'ai pas pu la hit. La palette, on va pas s'en occuper, elle est trop loin. Le problème, c'est qu'il y a Jacqueline, elle va foncer sur le trap. Elle, elle va prendre le trap. Ok, ça c'est nickel. Donc elle, on va la down direct. Et après, on va s'occuper des deux autres. Est-ce qu'on peut mettre une tartine à quelqu'un là? Genre elle. Ok, est-ce qu'on peut la brain là-dessus? Ça va être compliqué, il y a elle qui est là pour aller la récupérer. Elle prend une tartine, c'est ok.
On gagne des hits là-dessus. Elle est toujours en train d'essayer de se débloquer. Du coup, elle a pas pu récupérer. On profite un petit peu. Le hit là-dessus sur elle qui down. On va aller accrocher. Ok, on va aller secouer un petit peu là, les potes. Pas le temps de niaiser. Un trap qui a été enlevé. C'était lequel? J'ai pas vu. Elle qui a fini le générateur. Pour le moment, elle s'en est pas occupée de ce qui s'est passé dans la game. Elle va venir sur le D-hook. Mais il faut que je m'occupe de elle là qui est en train de ramper. Elle est partie ou pas? Elle est partie là. Ok. Le trap était très bon, hein, celui à côté de la bagnole. C'était vraiment un trap. Un très bon trap. Mais ça, après, c'est quand vous avez une bonne connaissance des survivants et de la manière dont ils bougent, vous pouvez poser ces genres de traps qui sont plutôt stylés. Il y a elle qui a décalé par là-bas, donc l'autre a dû décaler de l'autre côté. On va aller la voir. Bien bonjour. On va passer à la palette. Elle est là. À prendre une gratos là-dessus. Hop, elle va vouloir venir sur la palette, bien entendu. Elle est partie de l'autre côté directement, ce qui est plutôt bien joué. On a peut-être envie de poser un trap et encore, je pense qu'elle aura décalé d'ici là. La probabilité qu'elle décale était assez élevée. Elle est passée à côté de ce trap, on a peut-être pas trop le temps de se faire chier. Il y a ce gêné là qui a recommencé. On a pas d'infos sur d'autres personnes. Ok, il y a une autre ici. On se body block. Il y a un hit là-dessus à gratter. Ce qui est énorme. Comme j'ai dit, on a bouché sa digue, c'est fait pour ça. On va tourner un peu avec elle. On va voir. Nice. Ok. Elle peut se faire brain, elle, du coup. On a vu sur le coup d'avant le dédarade qui était bien joué. Là, elle va repaniquer. Elle va reprendre la trappe. Double trappe. Enfin, double palette. C'était bien joué. J'étais beaucoup trop loin. On va essayer de la brain à nouveau. Ok. Je voulais faire une feinte. Même pas chercher à comprendre, là la feinte est passée. Elle va être obligée de prendre la trappe. Hop. Oh, bien joué ça. Très beau. Ah, Bloodlust. C'est mort. Ok, on a peut-être perdu un peu de temps et à la fois non, parce que si on avait brisé la palette déjà, elle aurait pu nous éblouir avec sa flashlight. Et en plus, bah, elle serait partie loin. L'autre s'est suicidé, enfin personne n'est allé à save. Donc là vous voyez, complètement égocentrique, ils s'en battent les couilles. Tout ce qu'ils voulaient c'était finir leur gêné de merde. Et là ils ont bien raison, on va les soulever avec ça. Pas forcément ce qui leur a servi, on a 1, 2, 3 gênés ici. Les 3 gênés sont assez proches. Ce gêné n'a jamais été attaqué, très bien. Maintenant on va replacer les trappes. Là c'est le plus important, on a un bon timing dans la game. On a 3 générateurs qui sont... qui n'ont pas été commencés. Donc c'est ok. On va en profiter, celui-là était trop obvious comme trap apparemment. Largement trop obvious. On va en mettre un sous la palette quand même, parce que cette palette-là va nous faire chier un moment. C'est un jungle gym. Ok, il y a Jacqueline ici. On va aller la secouer un peu vu qu'elle a vu où j'ai posé le trap. J'ai pas envie qu'elle le désamorce directement. Là, il y a plusieurs traps dont elle a pas information. Celui-là par exemple. Elle est passée juste à côté. Au foutage de gueule. Merde. Putain, elle est passée à côté de ça quoi. Je sais même pas comment. Elle est repartie de l'autre côté. On va lui dire bonjour. Non? Par où elle est partie? Je ne sais pas. Personne ici? Ah bah en fait ils ont fait zéro gêné s'il y a quelqu'un derrière. Ok. Le trap là-bas. On va la pousser. Non, dans l'autre sens. C'était pas bon. Ok, elle a fait une erreur là-dessus. Elle va se prendre au moins une tartine. Impossible que ce soit celui-là. Non. Ok, elle va claquer la palette directement. Obligé de la briser celle-là. Peut-être qu'elle va bouffer le trap derrière. Apparemment, non, ils font pas l'amour au mur. Ils sont pas débiles. Hein. Au niveau de leur positionnement, c'est pas dégueulasse ce qu'ils font. Est-ce qu'elle a attaqué celui-là, l'autre? Non. Apparemment, l'autre se touche la bite. Là, la trappe est. La palette est bloquée. Elle va caler ses palettes ici. On va la casser directement. On est large là-dessus. Elle a deux choix, soit de partir par là, soit de partir de l'autre côté. On va juste moonwalk un peu. Elle a été réactive là-dessus. C'était plutôt bien joué. Elle a une fenêtre ici. Elle va reprendre la fenêtre. Et c'est le down. Ok, est-ce qu'on veut la dernière? En fait, j'ai l'impression que la dernière, elle va rien faire là de la game. Elle va juste jouer sneaky et éviter... Elle va aller chercher la trappe quoi. Arrêtez là, ok. Incroyable!
Ok. Est-ce qu'on leur laisse une chance de se déhook? On va leur laisser la chance de se déhook. Allez. On va jouer au beau jeu. Ah. Incroyable. Vous vous rappelez de ce trap que j'avais posé dès le début? Il était parfait. Il était parfait. Allez. Oh, finalement, vous méritez pas de vous save. Hein. Non, non, non. Putain, c'est trap, quoi. Beaucoup trop dessus. Si elle se libère, on laissera la trappe. Ah bah, bien sûr que c'était total voulu. Croyez quoi, toi? Là, il y a des très bons traps, hein, genre celui-là aussi est très bon. La personne, souvent, en fait, les survivants, si vous voulez, ils passent sur des angles comme ça. Quand ils vous loupent, par exemple, si vous les suivez ici, là, la probabilité qu'ils passent par là et faire ça derrière pour aller atteindre là-bas, c'est assez élevé. Lui aussi était bon, mais j'aurais peut-être dû le caler un tout petit peu sur le côté ou d'un autre. Au milieu, là, ça, on peut passer sur le côté. Après, je sais pas si elle l'a vu ou quoi que ce soit. Ah, ça va, on les a un peu prendre quand même. Ils étaient pas sereins, les types. Ça fait longtemps. Et yo Storm, ne pas avoir été dans cette game. Tain, Doza, reviens, reviens.